Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. En complément d'une sauvegarde manuelle, vous pouvez configurer et planifier une sauvegarde. Cela aura l'avantage de vous donner un supplément de possibilités de restauration au plus proche d'un souci du système. Le logiciel utilisé est ASUS Todo Backup. Vous pouvez le télécharger en version gratuite ou bien préférer la version payante et choisir la mise à jour illimitée pour quelques euros de plus, ce qui peut valoir le coup. Alors voici comment planifier une sauvegarde. Téléchargez et installez le logiciel via le lien indiqué dans la description. Après l'avoir fait, c'est par ici. Une fois votre logiciel ouvert, choisissez ce que vous souhaitez sauvegarder. Partition, Système, Fichier, Mail, Sauvegarde intelligente. Une fois effectué, renommez votre sauvegarde. La date sera incluse dans la sauvegarde. Cliquez sur Options de sauvegarde. Il est possible de pouvoir compresser la sauvegarde pour gagner de l'espace disque. Vous pouvez chiffrer votre sauvegarde. Cochez la case et indiquez votre mot de passe. Indiquez la priorité de la ressource système. La configuration par email est disponible. Indiquez votre email. Une icône de validation apparaîtra. Dans la configuration SMTP, indiquez ce qu'il faut. Pour moi, c'est smtp.gmail.com. Mon port est 465. Ça sera à vous de rechercher votre propre configuration. Copiez et collez votre email dans le nom d'utilisateur. Indiquez le mot de passe d'accès. Les cases « Envoyer une notification lorsque l'opération réussit ou échoue » s'indexent automatiquement. Cochez maintenant la case SSL TLS. Il est possible d'exécuter un essai d'envoi d'email pour savoir si tout est correct. Dans mon cas, c'est bon. Vous pouvez configurer des exclusions de fichiers. À vous de voir. Cliquez sur Avancer. Cochez la case Sauvegarde secteur par secteur. Si vous avez sauvegardé vos disques ou partitions en mode secteur par secteur, vous pouvez ensuite les restaurer en mode secteur par secteur. Cette méthode va sauvegarder tous les secteurs des disques ou des partitions, y compris les secteurs inutilisés. Certains fichiers supprimés sont également sauvegardés. Lors de la restauration en mode secteur par secteur, le programme va copier tous les secteurs utilisés et inutilisés au disque partition de destination. Si la restauration n'est pas en mode secteur par secteur, seuls les secteurs utilisés seront restaurés et les secteurs inutilisés seront ignorés. Une fois fait, cliquez sur Sauvegarder. Passons à la planification. Vous pouvez planifier la sauvegarde une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel, après l'événement. Je vais choisir une sauvegarde hebdomadaire. Attention, hebdomadaire ne veut pas dire une seule sauvegarde par semaine. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours. Par exemple, lundi, mercredi et vendredi. Cette planification sera effectuée toutes les semaines. Sélectionnez l'heure. Décochez le jour par défaut si vous souhaitez effectuer qu'une seule sauvegarde par semaine. Choisissez votre jour. Si vous optez pour incrémentiel ou différentiel, il vous faudra pour cela commencer par une première sauvegarde complète. Cochez la case « Désigner hebdomadaire première sauvegarde comme complète ». Si vous avez une ou plusieurs sessions utilisateurs à sauvegarder, vous devrez effectuer une planification pour chaque session, en prenant en compte les horaires, bien entendu. Indiquez le nom utilisateur de la session. Si celui-ci est verrouillé par mot de passe, il faudra l'indiquer ici. C'est presque fini. Cliquez sur « Sauvegarder ». Passons maintenant à la stratégie de stockage d'images. Pour commencer, cochez la case « Activer la stratégie de stockage d'images ». À vous d'effectuer votre propre configuration.
Une fois fait, cliquez sur OK. Votre configuration totale est effectuée. Cliquez sur Sauvegarder. La tâche est bien en attente de la prochaine date. Comme j'ai choisi le mercredi, ça sera le 10 juillet, puis le 17, le 24 et 31, et ainsi de suite. Pas de panique, vous souhaitez apporter des modifications à votre planification? Cliquez sur Avancer, puis Modifier le plan. Voilà, si tout est bien paramétré, votre sauvegarde planifiée devrait s'effectuer et vous recevrez un email en fin de tâche pour vous dire si le processus a réussi ou bien échoué. Vous voyez, rien de bien compliqué à mettre en place. Juste de la place de stockage disque en quantité suffisante sur une autre partition. Vos autres partitions doivent être elles aussi sauvegardées. Il faut donc calculer la totalité de ce que vous avez et extrapoler le besoin de quantité de stockage à avoir. Interrouter en totalité, prévoir multiplié par 3 minimum, plus suivant les moyens que vous avez, mais aussi le processus d'emmagasinement de gigaoctets que vous effectuez par mois. Le nombre de sauvegardes quotidiens et hebdomadaires change la donne aussi. Ne pas oublier les sauvegardes manuelles que vous effectuez en supplément. Comme je l'ai toujours dit, la sauvegarde c'est la base. Elle ne doit pas être négligée. Elle peut vous sauver la mise. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.